Ah bah, je me prête au jeu, hein, quelle est bien leur tête, que ce soit celle de Tommy ou celle des gardes de sécurité. À chaque fois, ils tournent leur tête inlassablement de droite à gauche ou de gauche à droite. Et c'est quand même amusant, n'est-ce pas? C'est pour ça que je l'ai mis, hein. Donc ne manquez pas comme ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le cas pour ma part. On se retrouve donc sur ce fameux jeu, hein, Vector Vice City, pour une vidéo défi. Je vais vous montrer l'une des dernières missions du jeu, quoi, pratiquement. Hein. Une fois qu'on a fait le club Malibu, on a accès à 4 missions, et c'est la troisième dedans, quoi, que je vais vous montrer à l'instant. Alors, c'est une mission de type course, où je dois être premier contre un véritable chauffeur, à savoir Hilary. Et une fois qu'on l'aura convaincu, hein, en gagnant, eh bien, vous le mettrez dans la poche, quoi, pour braquer la banque du jeu. Sinon, je vais pouvoir faire un impasse sur ces deux cinématiques, surtout sur la première, parce que comme il y a des musiques en fond, je n'aurai pas le choix d'en faire abstraction. La seconde, je vous la laisse apprécier, mais elle sera dépourvue de son. C'est toi, Tommy? Évidemment que c'est toi, Tommy. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre parlerait avec moi? Bon, écoute-moi. Je conduis pour toi que si, et seulement si, tu peux conduire convenablement. Abandonne, et je ne te pardonnerai jamais. Ça annonce la couleur, hein. Regardez Tommy comment il le regarde. Il est un petit peu bouche bée, quoi, j'ai l'impression. Hein. Alors, Hilary, il a un véhicule qui est un peu plus rapide quand même que par rapport à la vôtre. Enfin, parce que vous avez la Sentinelle, et lui, c'est la Sabre Turbo qu'on finit par débloquer dans le jeu à un moment donné. Par contre, même que vous gagnez la course, vous ne débloquerez pas son véhicule pour autant, hein. Souvenez-vous-en. Vous débloquez son véhicule exactement lorsque vous... Oula, c'est mal parti. Lorsque vous... Vous avez rempli une bonne partie de la liste import-export. Je crois que c'est à partir de la deuxième liste que vous avez rempli au total, quoi, que vous débloquez son véhicule. Enfin, après, je ne m'en souviens plus exactement, mais je sais que c'est de cette manière-là qu'on finit par débloquer son véhicule, justement. Alors, sinon, il y a deux contraintes en particulier, notamment le fait que votre véhicule ne soit pas plus rapide que le sien, mais surtout que vous avez la police qui vous suivra, qui vous pourchassera, tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, c'est pas forcément évident. Sinon, il y a une petite méthode quand même. Oh bah, il s'est planté! Ah là là, il s'est planté! Ah, il arrive! Allez, je vais pas trop me réjouir parce que sinon, je pense que. Oh! Une nouvelle plantation! Oh là là, il s'est bien... Bon, pour l'instant, j'ai un peu de répit, ça va. Mais attention, parce que moi aussi, je pourrais subir une collision et puis je pourrais perdre mon dernier moment. Ce qui serait un petit peu dommageable, n'est-ce pas? Non, mais sinon, à l'époque, quand j'étais plus jeune, qu'est-ce que je galérais dans cette mission, quoi? Oh, je perdais tout le temps, pratiquement. Je pouvais la refaire 5, 6, même 10 fois d'affilée. En vrai, je compte même plus le nombre de fois que j'ai dû la refaire, tellement que je galérais, quoi, dessus. Et puis je rageais beaucoup, hein, je m'en souviens. Oh là 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 là, des fois, même, on me disait, mais... vaut mieux que tu arrêtes le jeu, faut te calmer, quoi. Et ouais, y'a de quoi. Oh là 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 là. Oh les maudits, non. C'est pas vrai. Oh, ils m'ont coincé. Oh, ils ont vraiment fait un magnifique travail d'équipe. Ah là là, je ne sais pas si je vais pouvoir revenir en tête, mais là ça m'étonnerait comme c'est la fin de la course. À moins qu'Hilary se plante à nouveau. Non mais sinon j'allais dire qu'il y a une autre astuce pour cette vidéo, pour cette course. Hein. Je veux dire par là que si vous faites attirer Hilary dans des réverbères, dans des murs, tout cela, eh bien il peut littéralement se retrouver coincé durant toute la durée de la course. Et au moins bah, ça vous laisse du répit totalement. Je crois que là il est échauffé. Ah bah il sait qu'il a gagné, quoi, hein. Donc il est content. Ah, il y a encore un espoir. Non. Non. Oh, je l'ai eu. Ah, je l'ai bien eu. J'allais employer un gros mot, mais c'est pas la peine. Tellement que je suis content, quoi. Ah, je l'ai bien eu. Ah, ouais. Ok, je piloterai pour toi. Merci. Ah, vous avez vu la fin de la phrase là? On l'a aperçu très brièvement, mais c'est drôle comme tout, quoi. Ah, de ce côté-là, les GTA ont toujours fait très fort au niveau des dialogues, surtout dans l'RPS2, quoi. Indéniablement. Et bien voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo déjà. Bon, ça fut court, mais en même temps, faut pas en être surpris. La course est quand même plutôt rapide, hein. Je pensais pas que j'allais gagner, hein. Enfin, au départ, oui, je pensais. Parce qu'en général, maintenant, par rapport à du temps que j'étais enfant, je galérais beaucoup. Alors que maintenant, beaucoup moins. Mais là, j'étais un petit peu sceptique, hein, il faut le dire. Vers la moitié de cette course, je me disais, bah, c'est bon, quoi, je vais échouer. Et comme par hasard, en dernier moment, Tommy s'est à nouveau planté. Hilary. Et du coup, bah, j'ai pu la remporter comme ça. Mais ça a été à peu de choses près, hein, quand même. Hein, n'est-ce pas? Bon, tant mieux, au moins, ça vous aura laissé un petit peu place au suspense. Et pour moi, au challenge, eux aussi. Voilà, donc c'est gagnant-gagnant des deux côtés. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut, portez-vous bien. Bye bye, les amis. Encore un détail, les amis, un tout dernier, ne vous en faites pas, après je vous lâche. Je vais remettre au goût du jour un concept que j'ai délaissé depuis plus de 2 ans à peu près, à savoir les vidéos astuces et solutions, puisqu'effectivement, j'en aurai plusieurs à proposer sur ce jeu, mais également sur d'autres jeux, et ça me ferait intensément plaisir de pouvoir vous reproposer ce concept-là, au moins ça vous fera encore plus de variété pour vous, au niveau des concepts à visionner. Voilà, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, cette fois-ci c'est bon, je vous lâche, salut, portez-vous bien, bye bye. What?
It'll be alright. You say? Heavy on the bullets, you know I'm what sorry. I mean, mate? Where you going? I'm sorry.